sur le diagonal gauche, Charlotte. Voilà, très bien. Toujours intelligent, Minet, sans jamais l'abandonner. Voilà. Quand il colle un peu au cavalier, comme enfin, aux autres chevaux, un petit coup de travail sur les fesses, il faut le réveiller. Attention, Charlotte, de stabiliser le haut du corps. Pose tes mains, essaye de ne pas gigoter et d'être bien en appui sur tes deux pieds. S'il fait un petit écart, que tu ne te couvres pas. Très bien, on échange de mains. Prends tes règles plus courtes, Détel. Essaye de le mettre un petit peu plus de l'avant, Marion. Il est un petit peu en sous-régime, là. Dis-je plutôt, Inès, à faire plutôt des grandes courbes. Lui, les petites courbes tournées sur place, il sait faire. C'est plutôt des grandes courbes en gardant du trot ou du galop qu'il faut qu'il fasse. Souhaitez, mais regardez bien où vous allez. Hein. Hop, arrête-toi, Inès. On va faire un potin. Regarde. Violent celui-là. Yes. Non. Prochaine longueur. Balance franchement. Allez, avec la cravache, il est pas. Ah, il faut lui mettre des grands coups de cravache. Attention au piège. Ça, c'est transitionne.
deux coups de trick. Ah bah là, là il booste. Bravo. Il peut aller vite quand il veut. Hein, hein? Bravo. À droite. C'est à gauche, ça? C'est un peu à gauche, ça. Pour ce que dit. Tu veux boire? J'arrive. Compte pas avec tes épaules. Tes jambes, ta cravache, pas ton buste. Pourquoi tu t'es mis à tirer et à ralentir devant l'obstacle? Tu l'as fait, hein? Recopier à fond, top. T'arrives, à peu près à bout galop, ça devait sortir sur une bonne place. T'arrives devant, tu tires pour le ralentir. Du coup, ton cheval, il se retrouve sur une longe. Recommence. Juste ce qu'ils font. Tu veux la cage? Si tu veux ta cage à lapin? Hein, Inès? Si tu veux ta niche à lapin? Si tu veux ta niche à lapin? Cramponne-toi, doucement, doucement.